Une vidéo tadam, spéciale à abaya. Alors j'ai pris que des abayas. Je sais que la fête de l'Aïd arrive, donc du coup je me suis dit bon allez, on va tester les abayas chez Sheinside. Ce n'est pas la première fois que je prends des abayas, mais là pour le coup j'ai vraiment pris que ça, quasiment que ça, différents styles. Donc je vais vous montrer un peu tout ça, vous dire celles que je préfère, celles que je préfère moins. Et bah écoutez, on va commencer sans plus tarder avec celle-ci. C'est une abaya noire vraiment très simple que j'ai prise en taille S. Alors j'ai pris en taille S. Vous voyez ici les détails, juste super jolis, vous voyez au niveau des bras et au niveau du bas, ici vous avez aussi un tissu un peu, vous voyez comme ça, qui fait un peu tulle, dentelle. Je la trouve vraiment juste trop belle, ok. Donc je vais essayer chaque pièce comme ça, vous allez voir un peu ce que ça donne, mais je la trouve vraiment très jolie. Vous me direz ce que vous en pensez. On va continuer avec la deuxième abaya, un peu dans le même esprit, abaya hyper simple noire. Cette fois-ci avec des détails, vous voyez, ici on a de la tulle avec des petites perles. Au niveau du bas, pareil, on a ici de la tulle comme ça. Pareil, je la trouve aussi vraiment très belle. Le tissu est bien, hein, il y a un beau tombé. Je l'ai prise en taille S. Alors, continuons avec cette troisième abaya, toujours dans les tons noirs, hein, dans le noir, là avec un peu de broderie des bras, et on retrouve celle-ci aussi au niveau du bas. La quatrième abaya que j'ai à vous présenter, c'est celle-ci, un peu plus colorée, mais bon, ça reste quand même assez soft. Et alors au niveau du bas, vous avez des petites franges comme ceci, vous voyez, voilà. Je vais la porter aussi pour que vous voyez ce que ça donne. On va poursuivre avec une abaya ici qui est hyper légère. Alors pour le coup, celle-ci, le tissu est beaucoup plus beau, je trouve. Il est un peu satiné, beaucoup plus beau que le tissu des précédentes abaya. Ici, on a ici des petites perles qui ont été tout simplement accrochées. Donc des petites perles que l'on retrouve également ici au niveau des manches. Alors je pense que ça, c'est une abaya que vous avez déjà vue. Je trouve que ça fait très traditionnel. C'est un peu le genre de abaya qu'on trouve assez facilement. Noire et blanche, vous voyez, au niveau du bas, qui se présente comme ceci. Pareil, celle-ci, je trouve que le tissu est beaucoup plus joli que les premières abayas que je vous ai montrées. Il y a vraiment un très joli tombé. On va continuer avec les abayas, on va dire un peu plus colorés, même si ça reste quand même soft. Alors, cette abaya ici, le tissu, je le trouve juste super beau. La seule chose, c'est que je n'aime vraiment pas les manches. Les manches, je les trouve, je n'aime pas. Vraiment, j'ai du mal avec les manches. Donc du coup, je pense que je vais garder la abaya et je vais retirer ça ici et remplacer. Donc le tissu en lui-même, je le trouve super beau, vous voyez. Ou peut-être même couper, mettre avec un sous-pull, je vais voir. Mais en tout cas, voilà, ça je trouve que ça ne suit pas du tout. Le tissu est vraiment beau, ça ressemble un peu à, je sais pas du tout c'est quoi comme tissu. On dirait un peu du lin, Et alors on retrouve ici au niveau du bas la même matière qu'ils ont mis au niveau des bras. Le tissu, je trouve quand même que c'est un tissu plutôt pour le quotidien. Mais le tissu est vraiment top, Mais encore une fois, dommage pour les manches. Mais comme je vous disais, je vais les remplacer et mettre autre chose. La prochaine abaya, je pense que vous l'avez aussi déjà vu à un moment donné. Il y avait énormément de abaya, vous voyez, de ce style-là. D'ailleurs, j'avais la même en noir que j'avais pris en photo au Japon. Vous voyez, c'est un tissu transparent, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est une abaya bleue foncé. Et alors, pour le coup, vous avez le hijab qui vient avec, hein, le foulard et la abaya. La abaya, je dirais plutôt que c'est un kimono. C'est transparent, donc il faut vraiment mettre quelque chose en dessous. On va passer maintenant dans les tons rouge bordeaux. Alors on a cette abaya ici qui est comme ceci, voilà, toute simple. Donc il n'y a pas de ceinture pour le coup, celle-ci il n'y a pas de ceinture, mais je mettrais bien une ceinture blanche pour fermer. Voilà, le tissu, il n'y a rien de, voilà, rien d'exceptionnel on va dire, mais le tombé il est bien, voilà, c'est une abaya on va dire toute simple. Alors, une autre abaya toute simple. Vous voyez, avec un peu de dentelle. Je pensais pas qu'elle allait ressortir comme ça. Hein. Franchement, je ne voyais pas ça comme ça sur le site. Donc là, avec une tenue blanche, je pense que ça peut bien passer. D'ailleurs, je vais vous la porter aussi pour que vous la voyez. Alors ici, j'ai pris une abaya que j'ai trouvée aussi super jolie. Alors, c'est une abaya dans les tons, vous pouvez le voir, hein, un peu crème. Mais c'est pas crème, crème. Vous voyez, voilà, c'est un crème comme ceci. Avec
vraiment des détails jusqu'en bas. Vous avez ici une broderie, voilà, et la même broderie ici sur le côté. Je la trouve vraiment super, super simple, super jolie. Le tissu, il est bien, il y a un beau tombé. Encore une fois, il faut tout repasser, hein. Quand vous recevez, franchement, ça ressemble un peu à rien du tout. On va passer maintenant aux dernières abayas fermées. Donc, j'ai pris des abayas fermées histoire de changer un petit peu. Donc, j'ai pris ici cette abaya grise qui se présente comme ça. C'est un gris foncé. Donc, vous avez des boutons, mais ce ne sont... Ah si, ça s'ouvre. Voilà, vous avez des boutons ici à l'avant. C'est perlé au niveau des bras. Et donc, vous avez une petite ceinture pour venir mettre ça. Voilà, je me suis dit, allez, on va prendre des rabayas un peu fermés pour ne pas prendre que des rabayas ouvertes. Celle-ci aussi que je trouvais assez originale, j'aimais bien les manches. Vous voyez, c'est un genre de vieux rose et vous avez donc les manches ici comme ça avec de jolis détails, franchement de jolis détails. Donc pareil, vous pouvez la porter toute simple comme ça ou alors mettre la petite ceinture qui est livrée avec. Hop, il y a un petit bouton au niveau de l'arrière. Voilà. On va rester dans les tons roses. Bon, pour le coup, je ne sais pas si c'est une abaya, mais j'ai trouvé quand même que ça rentrait dans le thème abaya, dans le thème, on va dire, de l'Aïd. Hein. Donc, j'ai cette robe ici, super jolie, qui est rose aussi. C'est un tissu un peu satiné qui se présente comme ça. Et alors, à l'arrière, vous voyez, c'est vraiment ouvert comme ça. Je l'ai trouvé aussi très belle. Ça ne fait pas du tout abaya, pour le coup. C'est vrai que j'ai dit que j'avais choisi que des abayas, mais il y a deux robes qui ne font pas trop abaya, mais que j'avais envie de mettre dans cette sélection. Alors, on a celle-ci aussi. Vous allez voir qu'il y a énormément de photos. Elle est bien lourde, hein. Franchement, elle est bien lourde au niveau du tissu. Donc, c'est un genre de... Je sais pas, ça ressemble à un caftan, on va dire. C'est une robe, mais ça ressemble à un caftan. Alors, le tissu, c'est du polyester. On n'est pas du tout sur... c'est un tissu quand même qui est assez lourd. Je l'ai prise en taille S. Oui, je crois que c'est une taille S. Vous voyez comment elle se présente. Vous allez voir, il y a pas mal de photos de clientes, tout simplement. Elle n'arrive pas jusqu'en bas. On va dire vraiment au niveau des chevilles, mais je trouve que ça fait un peu caftan, vous voyez. Dernière abaya, les filles, que j'ai trouvé vraiment très classe. Bon, après, c'est vrai que les couleurs, ça fait plutôt hiver, mais j'ai bien aimé, d'ailleurs, j'en ai une, je vous avais déjà présenté une abaya qui ressemble, mais pas dans le même style. Donc, c'est une abaya toute simple, vous voyez, comme ça, grise, avec un col comme ça, toute simple, vraiment toute simple. Je la trouve super sympa. Je la trouve vraiment sympa, donc celle-ci aussi je vais vous la porter. Et j'ai pris des chaussures d'ailleurs pour vous montrer un peu toutes ces robes. Chaussures que je vais vous montrer, dont la première paire qui est cassée. Mais bon, alors, la première paire c'est vraiment dommage parce qu'elle est vraiment super jolie. C'est une paire de chaussures blanches comme ça, qui est vraiment super belle. Si vous me suivez sur Instagram, donc il y a deux comptes Instagram, With Hasnabi, pour mon compte, on va dire, voilà, beauté, lifestyle, etc. Et il y a un compte un peu plus familial, dans lequel je partage vraiment les week-ends, nos sorties et tout, With The DB Family, ok. Et donc je vous ai montré que, bah écoutez, je les ai craquées, non. On avait un photoshoot, donc samedi, et je me suis juste baissée pour faire le lacet à Rania, ou je sais plus, pour lui arranger sa robe, et ça a craqué, j'ai trouvé ça vraiment dommage. Donc du coup, les chaussures, franchement, voilà, je reste un peu mitigée au niveau des chaussures. Je les trouve vraiment jolies, mais imaginez-vous, voilà, moi à la limite, j'avais une paire de chaussures de rechange avec moi, heureusement, mais imaginez-vous, voilà, je sais pas, moi au travail ou n'importe où, et pouf, vous avez la chaussure qui vous lâche. Je trouve ça quand même pas super sympa. Dommage, parce que vraiment, je trouvais la chaussure très jolie, et j'avais vraiment envie d'une paire de petites chaussures blanches, mais finalement, je pense que c'est pas chez Shinsei qu'il faut acheter les chaussures. Une autre paire de chaussures que j'avais envie de vous montrer, celle-là par contre je l'ai portée toute une journée et elle a bien tenu. Elle se présente comme ceci, vous voyez, c'est une petite sandale nude, vraiment passe-partout avec les tenues, ça fait un petit côté chic. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment un gros talon, donc du coup on est super à l'aise dedans. Donc voilà pour cette chaussure. Toujours dans le même esprit, j'ai pris des escarpins transparents nude, donc vous voyez bien ici qu'on a du genre de plastique tout simplement. Alors elles sont bien, je les ai prises en taille 39. Le seul truc, c'est que j'ai l'impression que mes doigts sont hyper compressés ici au niveau du bout. Mais dommage, sinon elles sont jolies. Franchement, elles sont jolies, je trouve que ça fait classe. La paire de chaussures que je voulais vous montrer, celle-ci je la trouve très jolie et elle me va parfaitement. Donc c'est une paire de chaussures noires à talons toute simple. Vous voyez, qui se met comme ça au niveau au niveau de la cheville, vous mettez le petit lacet. Voilà, je les trouve super belles, bien à l'aise, voilà. Écoutez, je pense que j'ai terminé avec ma sélection Shinside. Voilà les filles pour cette sélection du mois de juillet. J'espère vraiment que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire les abayas là ou les abayas qui vous ont le plus plu. N'hésitez pas non plus à laisser en commentaire votre expérience. Ça, c'est super important parce que voilà, il y a toujours des personnes qui découvrent les sites internet. Et c'est vrai qu'avoir plusieurs expériences, plusieurs avis, ça peut aider. Voilà. Alors, comme je vous disais, j'ai tout pris en taille S. Je reste à vous faire de gros bisous et à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo.